Coucou, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être extrêmement courte. En fait, j'ai encore reçu 3 colliers, donc comme la vidéo elle avait bien plu, bah, je voulais juste vous montrer les 3 colliers que j'ai reçus. Je pense pas que je vais en recevoir d'autres, je sais pas trop. Donc, et là j'aurai pas le temps de mettre les liens, enfin même pour l'autre, j'essaierai de faire ça ce week-end. J'aurai pas le temps de mettre les liens en barre d'infos parce que faut que je me prépare pour partir parce que je rentre chez moi ce week-end. Enfin bon, bref. Voilà, alors le premier collier c'est un collier en 3. Je pense que pour celles qui ont beaucoup aimé celui avec la plume, vous allez beaucoup aimer celui-là aussi. Hop, il est comme ceci. Donc quand on le met... Oui, je sais, c'est un peu trop grand pour moi le haut, mais c'est pas grave. Donc il va jusque là. Il descend à peu près, moi, jusqu'à mes seins. Après, ça dépend de comment vous êtes faite, mais... Donc voilà, donc je le trouve vraiment très très sympa. Hop, voilà. Alors, je pense pas que les autres aient coûté beaucoup plus... Enfin, qu'ils aient coûté cher, je sais pas. Par exemple, celui avec la plume, j'ai vu, je l'ai retrouvé, donc je l'ai mis en commentaire... à une personne, 57 centimes, donc vous voyez. Alors on va enchaîner sur le deuxième, donc sur l'avant-dernier, qui est celui-ci. Hop, bon, ça va pas avec mes boucles d'oreilles, on va les enlever. Voilà, voilà. Donc vous voyez, je vous en avais présenté un en première partie du haul, si on peut appeler ça comme ça. Et ils faisaient beaucoup plus jaune. Ceux-là, ils font plus métaux. Et puis, enfin, je sais pas. Je trouve le plaqué or, enfin, le faux or, beaucoup plus joli. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Celui-là. Et puis, le dernier pour finir, c'est un que j'adore. Je les ai pas encore portés, hein. Portés comme je les ai reçus aujourd'hui. Et voilà, celui-là pour finir. Hop. Donc... Il est assez sympa parce qu'il y a vraiment plusieurs détails. J'ai la flemme de les accrocher, hein, sinon ça va prendre du temps. Donc là c'est en, on va dire, métal normal, en forme de chaîne. Là c'est la même plaque. Et au milieu en fait, comment ça s'appelle déjà ça? Vous voyez un petit peu le motif. Et là, comme ça. Donc je trouve qu'il fait beaucoup plus vrai aussi que le tout premier que j'avais eu. Donc voilà, donc vous dites-moi lequel vous avez préféré. Donc je vous remonte peut-être un peu plus en détail celui-là aussi, qui est très joli. Ils sont... Ouais, je pense qu'ils doivent peser au moins 10 ou 20 grammes chacun. Hop. Et donc, je vous remonte celui-ci. Ah, faut bien que je le prenne. Donc je vais vous montrer le premier collier. Ensuite... Le deuxième, qui ressemble un petit peu... Je trouve que le dernier ressemble un petit peu à un attrape-rêve. Et hop, avec des petites chaînettes. Et celui-là, il est fait plus cuivré, je trouve. Et le dernier, et avec les petites perles bleu turquoise un petit peu marbrées. Voilà, donc j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Vous dites-moi en commentaire lequel des 3 colliers vous avez préféré. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao !